En fait, l'esprit d'équipe, je suis sûr que vous avez. Est-ce que tout le monde a déjà vu un match de rugby? Oui? Bah, ceux qui l'ont, ou celles qui n'en ont pas vu. Vous n'allez pas vous dénoncer. Je suis sûr qu'en regardant un match de rugby, même si vous ne connaissez pas la technique, la stratégie, vous avez pu deviner si une équipe, elle a l'esprit d'équipe ou elle n'a pas l'esprit d'équipe. Parce qu'en fait, l'esprit d'équipe, ou ce qu'on regroupe derrière ce grand terme générique d'esprit d'équipe dans le rugby, c'est ni plus ni moins que la solidarité qui se développe entre les joueurs. Parce que la solidarité sur le terrain, ça marche. Ça fonctionne et c'est un moteur puissant de la performance. Et donc, en regardant ce match, vous voyez si une équipe, elle est solidaire, si les joueurs fonctionnent ensemble, si les joueurs se donnent en termes d'engagement pour leur partenaire, essayent de mettre leur partenaire dans les meilleures conditions pour qu'eux-mêmes puissent remplir leur mission. Et généralement, l'équipe qui est solidaire, à la fin du match, c'est celle qui repart avec la victoire. Alors c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que on quantifie et on qualifie tout sur les terrains maintenant. Le nombre de passes, le nombre de mètres parcourus, le nombre de fois où on a plaqué, le nombre de mètres qu'on a gagné au pied. On peut tout quantifier et tout qualifier sur le terrain. Et pourtant, le moteur le plus puissant de la performance, qui est la solidarité entre les joueurs, on n'arrive pas à le quantifier. On ne sait pas quantifier la solidarité. Comment ça se quantifie, la solidarité? On ne sait pas. Et pourtant, en rugby, on privilégie cette notion-là à travers des passages obligés. Je vous disais, on s'entraîne toute la semaine sur de la technique, sur de la stratégie, qui sont deux piliers importants de la performance, mais aussi sur cet aspect-là de solidarité. Et alors, il y a de multiples façons de le faire. Moi, je vous en parlais de deux principaux. Le premier, c'est les stages de début de saison. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi les équipes vont délocaliser parfois à 50 km de leur lieu habituel d'entraînement des entraînements? Ça n'a pas vraiment de sens. En termes sportifs. Par contre, ça a du sens en termes de relations humaines. Parce que finalement, les moments importants dans ces stages de début de saison, ben, ce ne sont pas les entraînements, mais ce sont tous les autres moments. Parce que dans ces autres moments, ce ne sont plus les fonctions qui se rencontrent, ce sont les gens, les personnalités. Et pour développer de la solidarité, ben il faut que ce soit les personnes qui se rencontrent. On ne développe pas de la solidarité entre fonctions. Évidemment que dans une équipe de rugby, c'est mieux si notre numéro 9, il est solidaire du numéro 10, parce que l'information va mieux passer, parce qu'ils vont s'entraider, parce que quand il y en a un qui fait une bourde, l'autre, il va aller le relever. Et bien sûr que dans une entreprise, c'est mieux si... Le DAF, il est solidaire avec son directeur des ressources humaines, parce que ben, c'est plus facile pour, encore une fois, la communication, et quand il y en a un qui est dans la difficulté, on va essayer de réfléchir à plusieurs. Évidemment que c'est mieux, mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas décréter de la solidarité entre les fonctions. On ne peut même pas décréter de la solidarité entre les personnalités. Par contre, le travail du manager, le travail du responsable, c'est de créer les moments pour que ces affinités, pour que cette relation puisse exister. Si on ne crée pas les moments, de fait, on n'obtiendra pas cette relation. On n'obtiendra pas ces affinités qui débouchent sur de la solidarité. Et c'est pour ça que nous, traditionnellement, on
ben on met en place des choses, les stages de début de saison. Et les moments importants, comme je vous disais, c'est les moments, les autres moments. C'est les moments où ben on va déjeuner ensemble. Les moments où on va aller dans le bar du coin pour boire un coup ensemble, l'apéro. Hein, on y revient. Les moments où on va jouer aux cartes, les moments de vie où les personnalités vont pouvoir se rencontrer et que ces affinités vont pouvoir se lier. Le deuxième moment dont je voulais vous parler, c'est la troisième mi-temps. Oui, je sais, ça fait un peu sourire. Je sais que vous imaginez la troisième mi-temps comme un endroit festif, un endroit où on boit quelques verres, voire beaucoup de verres. Ouais, je sais bien que vous pensez que c'est une beuverie. Et effectivement, je ne peux pas vous donner tort. C'est souvent ça, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un espace de verbalisation. C'est un espace où on peut reprocher à son partenaire d'avoir manqué le plaquage qui vous a fait perdre le match, par exemple. C'est un endroit où, ben, parce que la musique est forte, parce qu'on est un peu désinhibé par l'alcool, c'est vrai, on va pouvoir verbaliser les choses. Je suis sûr que tous, au cours de votre carrière professionnelle, sportive pour certains, personnelle, dans votre vie privée, vous avez tous connu ce moment où vous avez quelque chose à dire et ça reste là, bloqué, là. Je ne sais pas trop où le situer, si c'est là, ou parfois un peu là même. Et ça ne sort pas. Je suis sûr que vous avez tous regretté un moment de pas avoir pu dire les choses à ce moment-là. Mais en fait, la troisième mi-temps, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir verbaliser les choses. C'est un espace de communication. On le dit. C'est entendu, c'est pas entendu. C'est pas grave. C'est dit. Et cette petite boule-là que vous avez là, ou cette petite chose qui ne veut pas sortir, eh bien, finalement, avec cette troisième mi-temps, elle permet d'être évacuée. Et finalement, le lundi, quand on revient au boulot, au bureau, nous, le bureau, c'est les vestiaires. Ça, c'est un peu plus mauvais, mais c'est quand même notre bureau. Mais en fait, on peut passer à autre chose. Ça a été verbalisé. Vous arrivez au bureau et vous savez que celui contre qui vous aviez un grief a entendu ce que vous avez à dire. Et on continue et on passe à autre chose. Et on peut préparer la semaine de manière différente. Parce que si on ne le fait pas, ben ça reste là. Et ça reste toute la semaine dans les relations que vous pouvez avoir avec cette personne. Cette connotation, cet a priori que vous allez mettre sur cette personne. Cette petite ombre-là qui a toujours au cours de la semaine et chaque fois que vous pensez à lui ou que vous avez une relation avec cette personne-là. Et la troisième mi-temps, ben, justement, ça permet d'évacuer tout ça. Alors, il y a plein d'autres moments dans le monde du rugby où on développe cette relation interpersonnelle qui, encore une fois, et je le rappelle quand même, a pour but d'améliorer la performance. Ce n'est pas juste le bien vivre ensemble. Effectivement, que c'est plus agréable d'être dans un groupe où tout le monde s'entend bien. Mais l'objectif premier dans une équipe de rugby, notamment dans le milieu professionnel, et je pense dans l'entreprise, c'est la performance, c'est le fait qu'on arrive et on atteigne nos objectifs. On en parlera tout à l'heure des objectifs. Donc vous voyez que ces passages obligés, ce n'est pas juste pour
le vivre ensemble. C'est aussi pour la performance qui est un moteur puissant de la performance et du gain et de la victoire de la fin de semaine. Je suis sûr que vous verrez la troisième mi-temps un petit peu différemment maintenant. Donc on s'entraîne sur le plan technique, sur le plan stratégique toute la semaine, et on s'entraîne aussi sur le plan de la relation humaine et de l'esprit d'équipe. Et dans les entreprises, le travail du manager, c'est d'être le chef d'orchestre de tout ça, de travailler bien sûr la stratégie, de travailler ou de mettre en place des choses pour peut-être améliorer la technique des collaborateurs, mais aussi de privilégier des temps pour fédérer, pour développer l'esprit d'équipe, pour aller vers la performance. Et quand le manager il a compris ça, qu'il faut prendre soin de son équipe, mais généralement, les résultats sont au bout. Et d'autant plus dans une période comme on la vit maintenant, où il faut faire preuve de solidarité, de fait. Parce que c'est trop difficile, cette période, pour l'affronter tout seul ou de manière individuelle. On est obligé de l'affronter tous ensemble, dans les entreprises et dans la vie en général. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'esprit d'équipe, sur ce qui fait le socle et l'essence même de notre sport. Et je pense par extension de tous les groupes d'humains, de ce que vivent les gens dans leur relation sportive, dans leur relation professionnelle ou dans leur relation amicale. On déplace juste les petits groupes. En fait, vous voyez que dans les équipes de rugby, il y a des joueurs. Je voulais vous faire juste prendre conscience qu'il y a des joueurs qu'on voit rarement, qu'on cite rarement, et pourtant qui ont un rôle prépondérant dans la performance. Notamment le pilier droit en rugby. Dans les entreprises, on appelle ça des fonctions support. Nous, dans le rugby, on appelle ces joueurs-là des joueurs de rugby. Parce qu'on sait que même s'ils ne sont pas valorisés, même s'ils ne sont pas cités, on a besoin d'eux. Alors le pilier droit, pour faire simple, c'est souvent le plus gros et le moins beau de l'équipe. On ne les choisit pas comme ça, hein, mais ils sont comme ça. C'est en fait celui qui va être la clé de voûte de la mêlée. Et pour vous montrer son efficacité, je vais me permettre de vous faire une petite explication d'une action de rugby et vous allez comprendre où je veux en venir. Un terrain de rugby, ça va pour tout le monde ? Waouh. Poteau de rugby, c'est bon pour tout le monde? Ok. Ligne 22 mètres. Ligne 40 mètres. On va faire. Allez, on va matérialiser la ligne médiane. On va prendre une action. Une mêlée à gauche du terrain. Je dessine beaucoup moins bien. Alors, vous voyez tous, c'est pas trop loin. Ok, on va imaginer une action où on gagne le ballon en mêlée. Alors, c'est les croix, par exemple. Ça, c'est les joueurs, l'équipe croix. Et qui va jouer contre les ronds. Je vais mettre les. Alors, notre 3, il est là, à droite de la mêlée. 1, 2, 3, 4, 5, c'est facile.
6, 7 et le numéro 8 qui ferme la mêlée. Avec le 9 qui transmet, le 10, le 12, le 13, le 14 et on va mettre le 15 intercalé et le 11. Je me suis pas trompé. Hein. On désigne les joueurs sous cette... c'est des Anglais qui ont inventé le rugby. Hein. Ça pouvait pas être facile. Hein. On n'a pas fait... Allez, on va faire contre les ronds. Alors, le 10 qui défend, on va mettre le 6 ici. Je matérialise que la troisième ligne en face, donc le 12, le 13, et ici, on va mettre le 14, le 11 et le 15 qui défend en bout de ligne. OK ? Donc, vous voyez l'action, les noirs attaquent. On décide de gagner le ballon en mêlée et ensuite de faire passer le ballon pour aller marquer ensuite avec notre ailier qui est le numéro 14. D'après vous, quels sont les critères de réussite de l'action? C'est une action simple. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner, pour aller marquer l'essai? Allez-y. Gagner le ballon. Oui, c'est une bonne chose déjà d'avoir le ballon. Ensuite, sortir proprement, OK? Fixer la défense, très bien, de la technique. Décaler, OK, technique, stratégie. Se passer le ballon. Ouais, ça c'est mieux aussi. Sinon, on va refaire des mêlées. Hein. Oui, pour les néophytes, il ne faut pas faire de passe en avant. Hein. Autre chose, la vitesse, très bien, technique. La précision technique. Objectif avancé, OK. Oh, stratégie. S'adapter à l'adversaire, OK, stratégie. Communication, très bien. Là, ça commence à m'intéresser. Coordination, OK. Entraide. Ouais, entraide. Comment va se matérialiser l'entraide là? Bon allez, je vais vous dire la réponse. En fait, pour aller marquer un essai ici, donc c'est notre objectif, avec notre ailier, tout va se passer ici, dans la mêlée. L'objectif de notre pilier droit, on y revient, ça va être d'orienter la mêlée. Que la mêlée, au lieu d'être droite, elle soit légèrement décalée, comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier défenseur de la ligne de défense des rouges, c'est le numéro 6 ici. Il y a une règle en rugby qui dit qu'on est obligé de rester collé à la mêlée, tant que la mêlée n'est pas finie. Donc ce 6, au lieu d'être là, il va se retrouver ici. Décalé de, pas grand chose, hein, 1 mètre, 1 mètre 50, peut-être 2 mètres, si le travail est bien fait. Mais comme le 6 s'est décalé, le 10 va être obligé de se resserrer de 1 mètre, 1 mètre 50. Parce que s'il ne se resserre pas, ben le 9 prend le ballon et il va marquer tout droit ici. Si le 10 se décale, le 12 va être obligé de se décaler. Le 13 va être obligé de se décaler. Encore une fois, pour ne pas laisser d'espace entre les joueurs. Et vous comprenez bien que de proche en proche, tout le monde va être obligé de se décaler. Rien de 1 mètre, 1 mètre 50. Mais ce mètre 50, eh ben c'est le mètre nécessaire pour que notre ailier il puisse aller, après de nombreuses passes, marquer l'essai. C'est notre numéro 3, principalement, qui va ménager l'espace 50 mètres plus loin pour que notre ailier puisse marquer. Alors, on valorise beaucoup hein,
le numéro 14, parce que c'est celui qui marque l'essai. C'est celui qui va avoir les gros plans à la fin de l'action, les ralentis. Et en plus, comme c'est lui le beau gosse des calendriers, c'est quand même mieux de le montrer à lui. Et tout le travail du manager au visionnage et à la vidéo du lundi, ça va être justement de valoriser le numéro 3. Parce que lui, je vous le donne à 1000, hein, il n'y aura pas de gros plan sur lui. Hein. Il n'y aura pas de valorisation. Ça passera assez inaperçu pour le grand public, le fait qu'il ait tourné la mêlée. Il faut savoir que une mêlée avec 8 joueurs, c'est à environ allez, une tonne. Et que quand tout le monde pousse, les contraintes qui s'exercent sur un pilier, elles sont, comment dire, elles sont grandes. Elles sont grandes. Donc pour tout seul, avec l'aide de ses partenaires, arriver à faire, à réorienter une mêlée comme ça demande des efforts très importants. Finalement, beaucoup plus que l'ailier qui se retrouve souvent décalé et qui a plus que courir et aller aplatir. Bon, il faut qu'il se baisse, on peut lui faire un peu mal au dos. Mais généralement, celui qui a le plus mal au dos à la fin du match, c'est quand même le numéro 3. C'est notre fonction support. C'est le joueur dont personne ne parle. C'est l'assistante dans l'entreprise qui appelle un fournisseur et qui obtient un rendez-vous après un, deux, trois coups de fil où elle s'est fait refuser. Et elle insiste encore en plus et finalement, au quatrième coup de fil, elle a le rendez-vous. Ce rendez-vous va déboucher sur un contrat et peut-être sur la réussite de l'entreprise. Et c'est un coup de fil. Mais c'est le coup de fil qui fait tout basculer. Nous, c'est une poussée en mêlée. Mais c'est la poussée en mêlée qui fait tout basculer. Et c'est à travers l'état d'esprit qu'on matérialise finalement cette performance. Parce que le pilier droit, il peut juste se contenter de caler la mêlée. Personne ne lui reprochera de ne pas avoir orienté la mêlée parce que c'est très difficile. Et s'il le fait, c'est parce qu'il va s'engager pour ses partenaires. Il va dire, moi, mon rôle, c'est d'en faire un peu plus. D'aller orienter cette mêlée pour mettre mes partenaires dans les meilleures conditions pour pouvoir marquer l'essai. C'est pas de la technique. Effectivement, il en faut un peu. Ce n'est pas de la stratégie. C'est juste de l'état d'esprit. C'est juste l'envie de donner à ses partenaires. Et c'est ça qui fait toute la différence. Je voulais objectiver ici, à travers le numéro 3. Mais dans d'autres actions, ça va être un autre joueur qui va avoir ce rôle. Le second de ligne en touche. Sur les rucks, ça va être peut-être un joueur de la ligne des trois quarts, même s'ils sont moins solidaires que les autres. Vous voyez que dans le rugby, on a de multiples occasions de montrer son engagement et de prouver son engagement à ses partenaires. Et c'est ça qui est important pour définir l'état d'esprit. C'est qu'à un moment, chacun donne quelque chose à son équipe. Chacun donne quelque chose à son équipe, ce qu'il est. Et dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. On a à donner à son groupe, à son entreprise, à ses partenaires des qualités techniques. Peut-être de la stratégie, mais ça peut être aussi tout simplement ce que l'on est en tant que personne. La relation humaine qu'on est capable de faire naître entre les gens.
une passion qu'on peut partager avec ses partenaires et qui fait naître de la relation interpersonnelle. En tant que manager, c'est ça la clé. Il faut trouver ce que chaque personne a donné à l'entreprise. Il faut trouver ce que chaque joueur a donné à ses partenaires. Moi, j'ai joué avec des joueurs qui n'étaient pas plus forts techniquement que les autres, qui n'avaient pas des qualités physiques démesurées, mais ils avaient cette qualité de faire que quand ils étaient sur le terrain, les autres joueurs étaient fédérés autour d'eux. Ils avaient cette qualité d'amener derrière eux, alors que ce n'étaient pas les meilleurs joueurs. Et c'est très important. Fonction support. Je prends l'exemple que vous connaissez tous parce que ça a marqué un petit peu. C'est dans le football. Coupe du monde. Les Français sont champions du monde. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a un joueur qui a été très important dans le groupe. Adil Rami. Vous savez combien de temps il a joué, Adil Rami, sur cette Coupe du Monde? 0 minute. Comment un joueur de football peut être très important pour le groupe en jouant 0 minute? Ben c'est juste ça qu'il a amené. Pas ça sur le terrain, mais ça dans la vie de groupe. Il a créé la relation entre les joueurs. Il n'a pas pu montrer sa technique. Il n'a pas pu montrer le talent qu'il avait pour jouer au football. Il a juste montré ce qu'il était lui, en tant que personne. Il a montré qu'il avait cette capacité à réunir les gens et à créer cette relation interpersonnelle qui crée des affinités. Très important pour un manager de savoir identifier ça. Parce que c'est la clé pour travailler en équipe.